Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bambou. Bon, j'espère que vous allez bien. Là, il est 8h du matin et je me suis décidée ce matin de faire une petite marche au soleil pépère à Bordeaux. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une journée assez chill. Mais on va quand même aller à la salle parce qu'hier, j'ai pas été. Pendant que cet homme ici présent a été. Donc là, on est en famille avec le Kiki. Le Kiki de tous les Kiki. Et voilà, il fait un peu frais. Mais c'est cool, ça fait plaisir. À toutes! Tu peux me dire c'est quoi tout ça? Voilà, c'est ça. J'ai hâte de rentrer. Ça va se casser le bide ou pas? Ok. On y va? Ouais. Ok, donc là on vient juste de rentrer à la maison. Donc comme vous l'avez vu, on a fait les gros. Donc on va manger le petit-déj à la mémèse. Avec des petits croissants que le bouc derrière a pris. Et pour lequel il est très heureux. Et en fait, ça, c'est une boulangerie à Bordeaux qui est dingue. T'as des croissants, déjà, là, franchement, je sais pas combien ça fait en kilos, mais ça doit faire au moins 1 kilo, bon, peut-être pas, mais pas loin. Donc, on a pris croissant, pain au chocolat et. Comment ça s'appelle? Et pain au raisin pour moi. La baguette pour le big. Ça, je sais pas, il m'a dit que j'allais voir. Je suppose que c'est une pâtisserie. Bah, regarde si tu veux. Je dois regarder? Oui, si tu veux. Alors on va ouvrir ça ensemble. Qu'est-ce que tu m'as pris? Un éclair au chocolat? Une tarte à la fraise? Ah, ça c'est pour toi, ça. Ça c'est pour le big. C'est une tarte... C'est quoi? C'est une tarte au caramel? Alors, c'est une tarte... à la noix et au caramel beurre salé. Et ouais. Putain, ça doit être pas mal, hein. Bah ouais. Ça, c'est un vrai truc de gros lard, quand même, hein. Oh, okay. Et pour terminer, du pain au maïs. Voilà, donc là, on va s'écraser le bide, forcément. On va s'écraser le bide. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la journée. Hier, je suis partie chez Grand Frais et en fait, j'ai trouvé ça. C'est des shots de gingembre. Donc là, c'est gingembre mangue. J'espère que vous voyez bien. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de bienfaits à prendre du gingembre dès le matin. Donc, on va tester ça en live and direct avec l'homme. Et puis, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Nous, quand on dit qu'on fait des économies, on fait jamais d'économies. Ouais. Tu veux tester avec moi? Ouais, si tu veux. Mais t'es pas fatigué toi mon chien? C'est clair. Cette nuit il était là, il était limite en train de décéder. Ouais. Et là il a retrouvé toutes ses forces. Ça sent fort. Hein. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait trop penser aux jus qu'on achète quand on n'est pas en France. Tu sais parfois on aime bien goûter des trucs... Et par contre ils abusent pour la quantité là, il y a combien? C'est des shots. Ah ok. Il a rien compris. Oh, waouh! Ah, ça décalque, hein. Oh, oh, oh.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gingembre. Oh, bah c'est un shot. Waouh. Et ça sert à quoi en fait? Je crois que c'est bon pour le transit, pour l'immunité. En fait, ça c'est pour un pour deux, ça un pour. Pour non, je pense que tu peux le boire tout seul. Ah, ok. Mais c'est drôle hein, pour moi. Ah, ouais. Franchement, c'est bon hein. Je suppose que quand c'est maison, c'est encore mieux. Mais franchement, ça passe bien. Tu sens bien le goût du gingembre. Ouais. Et tu sens bien le goût de la mangue, c'est très très bon. Ouais. Donc ça, c'est validé. Yes, la famille. Mais... vous voulez que je vous dise quelque chose? Cette meuf... c'est une dictatrice, parce que tu vois, j'étais en train de prendre mon petit truc, tu vois, j'ai fait mon petit lait chicoré au calme. Elle me dit, mais tu mousses pas ton truc. Je fais, non, bah c'est bon, tu vois, j'ai pas besoin. Et là, tout à l'heure, je vais pour laver les cuillères. Je la prends en flagrant délit, en train de mousser mon truc. Après, elle me regarde comme ça. Et après, elle rigole. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Bah oui, parce que tu vas, ça sera meilleur. Non. Vas-y, mais... montre-nous ce que t'es en train de faire. Oh, elle va faire sa petite photo. Tu sais que là, t'es dans le soleil. Tiens, vas-y, je te donne le... Mm-hmm. C'est beau quand même. T'es vraiment une escroc de première catégorie. Toi, mm-hmm. T'es hors catégorie, Manu. Pas ton bon profil là. Do I care? Alors quand moi je te prends en photo, c'est pas ton bon profil, mais quand c'est elle, c'est son beau profil quoi. De toute façon, on voit même pas là, je crois. Si on te voit. T'es sûr? C'est toi la star de ton vlog. Hein. Je crois que c'est pas moi. That's not me. The fucking star. I'm not the fucking star right now. Oh, bah bon petit déj. Ouais, bon petit déj. Tu sais qu'après tu vas me dire, hey, tu vois pas mettre ça dans le vlog. Fag, fag. Vas-y. Et mais toi, t'as la haine en toi, hein. T'as le venin en toi, Madu. Mmh. Oh, c'est trop bon. Tu valides combien? 100 sur 100. Mmh. Mmh. Ah ouais. Wow. Ah, c'est la qualité. Hein. Ah ouais. Waouh. Et nous revoilà. Donc là, on s'est décidé à aller à Mérignac Soleil. C'est à Mérignac Soleil. Pour aller faire les lunettes de ce jeune homme ici présent. Et essayer de ne pas trop dépenser notre argent, puisque bientôt, je n'aurai plus de travail. Donc deux personnes sans travail, ça risque d'être un peu tendu. Voilà, donc... vous allez encore nous accompagner pour ces aventures incroyables. Peut-être qu'il y aura des tests food ou pas. On verra si on va craquer ou non. Tu penses qu'on va craquer ou pas? Non. Tu penses pas? Non. Pourquoi on va pas craquer? Parce que le sting dog. Mm-hmm. Ok. À toutes. Bon, alors là, on a sur deux choix. Donc ça, c'est le premier choix du Big. Vous en pensez quoi? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Vas-y, essaye l'autre. Et qu'est-ce qu'on en pense aussi de celle-ci? Moi, je pense que c'est... moi, j'aime bien celle-là. Dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que c'est le gars le plus beau du YouTube? Du coup, nous revoilà à la maison. Donc on n'a pas craqué, on a trouvé les lunettes de Jimmy, mais on n'a pas pu les prendre de suite, donc je pense qu'on y retournera cette semaine ou le week-end prochain. En tous les cas, donc là il est presque 17h, on n'a pas mangé à midi, donc je vais décider de me faire un petit snack, enfin un petit snack, à manger quoi. Donc je pense que j'ai créé une petite dinguerie, je vais vous montrer. Bah, si c'est bon, je vous mettrai la recette, et si c'est pas bon, bah, je mettrai rien. Allez, je vous montre.
Du coup, voici la petite dinguerie. Donc, tout en sachant que j'ai mis des crudités parce qu'on a abusé ce matin avec les viennoiseries. Donc, on était full glucides. Donc là, j'ai créé un petit truc. En fait, à la base, je voulais juste du thon et du Saint-Moray. Mais finalement, j'ai rajouté de la farine de manioc. Et franchement, j'ai rajouté donc de la farine de manioc et un œuf, un peu de sel poivre. Et franchement, ça fait des petites galettes de thon. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc, on va tester ça et puis on verra si c'est bon. Et du coup, on va goûter ça. Ok, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a du thon dedans? Ouais. C'est des galettes de thon. Je peux goûter comme ça? Ouais. Ou je dois apprendre un truc? Non. Ah ouais, c'est bon. Je vais rajouter de la sriracha peut-être. Si tu veux. Ah ouais, c'est validé. Hein. C'est vraiment très bon. Hein. Comme je vous ai dit, si un jour elle ouvre un restaurant chez elle, mais allez-y. Allez-y en courant, c'est la valeur sûre. Ah franchement, c'est trop bon. Oh yeah. Mais pour moi, ça manque un chouïa d'assaisonnement. Of course, baby. Donc on va rajouter cette sauce dinguerie, qui d'ailleurs avait été en rupture de stock aux États-Unis, n'est-ce pas? Ouais. Tu t'en mets un peu? Franchement, c'est trop bon. Allez, vas-y, goûtons ça. Ouais, c'est bon. Ça ramène cet aspect un peu piquanté. Ouais. C'est validé, hein? Ouais, super bon. Bah, je vais vous mettre la recette, même si c'était un truc comme ça de dernière minute. Moi, j'ai une question à te poser. Quoi? Pourquoi t'es aussi forte comme ça? I don't know, bitch. Tu vois, genre, le truc, c'est que elle a des idées. Ouais. Et elle les fait, tu vois. Et ensuite, c'est bon. Et des fois, elle me dit, oui, mais moi, je sais pas quoi faire. Mais t'as un talent. T'as un talent indéniable pour la cuisine. J'ai une petite question. Oui, vas-y, dis-moi. Pourquoi tu hurles? Because you stink, motherfucker! Non, franchement, si vous êtes intolérant au gluten ou machin, le manioc, en plus, ça c'est du manioc qu'on a acheté à Carrefour. J'allais dire aux Antilles, après je me suis rappelé que c'était pas aux Antilles. On l'a acheté chez Carrefour, mais tu peux l'acheter, je pense, un peu partout. Ouais. C'est super bon. J'ai mis un œuf pour que ça reste en galette. Ouais. Voilà, hein. Du Saint-Moray. Bim bam boum. C'est validé. Moi, j'ai rien à dire. C'est super prouesse technique. Franchement, c'est quoi? Je vais refaire ça. Ah ouais, bah fais. Hein. Moi, je te suis je te suis dans même pour l'apéro ou des trucs comme ça. Même limite, tu vois, tu peux les faire et tu les congèles. Et peut-être Et du coup, vu qu'on mange des protéines, bah ça, c'est hyper protéiné. Puisque le thon, c'est très protéiné. Of course. Il y a de l'œuf. Et la sauce, est-ce qu'elle est protéinée ou pas? Non. Ah ouais, franchement, je m'attendais pas à ce que ça se passe. Ah bah, moi, je peux te dire, je m'attendais à rien, mais là, de ce que j'ai vu, et y'a ce bitch. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, mais attends, c'est pas fini. Non, mais je pense qu'elle va s'arrêter là, la vidéo. Oh. Je préfère faire un cut, et puis si jamais on doit reprendre, on reprendra. Oh. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien fait marrer. Ouais, bah j'espère aussi, hein, parce que si ça vous a pas fait marrer, gare à vous. En attendant, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon après-midi ou une très bonne soirée. Ça dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas. À laquelle tu regarderas cette vidéo. Yeah. Je te dis à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao.